Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui les amis, toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 2 en live commentary à l'ancienne. Donc dimanche dernier, j'ai pu faire une vidéo un petit peu dans ce style sur Black Ops 1 et pour la plupart d'entre vous, vous avez vraiment accroché à ce style de vidéo et franchement, ça me fait énormément plaisir. Ça s'est ressenti au niveau des commentaires, au niveau des j'aime et au niveau des vues. Franchement, je m'y attendais pas du tout, donc mille merci par rapport à la vidéo de la semaine dernière. Vous inquiétez pas, tous les dimanches, il y aura une vidéo un petit peu de ce style sur des anciens Call of Duty. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire quel Call of vous voudriez pour la prochaine vidéo. Sur ce, les amis, on est parti pour le gameplay. Bon, et bien les amis, nous sommes sur la map drone sur Black Ops 2. Alors, c'est pas vraiment une map que j'apprécie énormément, mais bon, c'est pas grave. On va essayer de faire quelque chose de correct. Alors ça fait très longtemps hein, que je n'ai pas rejoué à Black Ops 2, donc j'espère que mon niveau va pas être trop pourri, on va dire. Ok, il y a déjà le machin électrique là qui casse bien les bonbons. Parce qu'en ce moment, c'est vrai que je joue beaucoup. Ok. En ce moment, je joue quand même beaucoup à Black Ops 1, donc... J'essaye de passer les prestiges sur Black Ops 1. Oui, moi je suis pas du tout comme les autres à jouer sur les nouveaux Call of. Vous le savez très bien que bah, pour moi les nouveaux Call of, j'y arrive pas. Donc je préfère largement retourner sur les anciens Call of Duty. Et c'est pour ça que, entre autres, je vous propose des vidéos sur des anciens Call of. Et puis comme j'ai pu le voir, vous appréciez plutôt bien. Donc je vais continuer cette série. Moi je prends énormément de plaisir à la faire. Donc pourquoi pas continuer. Bon, du coup, on va essayer de faire une partie correcte. Ok. Le petit ennemi qui va bien. Allez, le deuxième petit kill. Okay, je suis un petit peu dans la merde. Allez, on va recharger tout ça tranquillement. Donc oui, drone, c'est pas vraiment une map que j'apprécie. Mais bon, ça change un petit peu au lieu de faire du Nuketown tout le temps. Voilà, c'est une map. Je pense que au final, des maps comme Drone, même si, par exemple, comme moi, c'est une map que je n'apprécie pas tellement. Je pense que sur des Call of Duty un petit peu de, sur des nouveaux Call of Duty entre guillemets, du style Modern Warfare 2, Cold War, on va dire, et tous ces Call of là. Je pense que ça pourrait être de très bonnes maps parce que j'ai... Comment dire? Modern Warfare 2, le dernier Modern Warfare 2, j'ai pu comprendre que les maps n'étaient pas vraiment terribles. Donc après, je ne sais pas, hein, peut-être que vous jouez à ce nouveau Modern Warfare 2 et peut-être que vous appréciez les maps sur cet opus-là. Mais j'ai écouté beaucoup de personnes qui disaient qu'ils avaient vraiment du mal avec les maps de Modern Warfare 2. En tout cas, moi, j'y ai pas vraiment joué à ce nouveau Call of et franchement, ça me donne pas vraiment envie. Alors peut-être que dans 2-3 ans, j'aurai l'envie de jouer à ce nouveau Modern Warfare 2, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour le moment, je prends beaucoup plus de plaisir sur des anciens Call of tels que Black Ops. En ce moment, je joue énormément à Black Ops 1. Et franchement, je redécouvre le plaisir d'un Call of Duty. C'est quand même hallucinant de se dire qu'au final, les nouveaux Call of Duty sont moins bien, entre guillemets, que les anciens. Alors après, il y a les goûts et les couleurs, hein, ça se discute pas, hein, ça c'est sûr. Des personnes vont me dire, non, les nouveaux Call of sont super bien, les anciens, graphiquement, ils sont complètement pourris, etc., etc. Voilà, chacun a son avis, en tout cas, moi, je vous donne le mien. Et c'est vrai que... C'est quand même bizarre de voir que, par exemple, sur ma chaîne, les vidéos sur les anciens Call of Duty marchent beaucoup plus que, on va dire, un gameplay lambda sur Fortnite ou, sur des vidéos présentation de chaîne, parce que vous le savez que tout simplement tous les vendredis, je fais une petite vidéo où je présente deux chaînes. Donc pour mes vidéos le vendredi, ce sera quasiment tout le temps ça. Et bien que ces vidéos-là font moins de vues qu'un gameplay sur un ancien Call of. Donc ça prouve que ça vous plaît. Et du coup, on va continuer ça.
tous les dimanches. Il y aura, comme j'ai pu vous le dire, une vidéo live commentary à l'ancienne. Et franchement, je prends tellement de plaisir à vous faire ça. Alors, on va continuer. On va continuer. On va parler un petit peu plus du gameplay. Donc, l'Ascar, franchement, magnifique cette arme. Donc voilà, je suis Prestige Master. Je crois que c'est comme ça qu'on dit sur Black Ops 2. Donc, j'y ai passé beaucoup de temps sur ce Black Ops 2. Mais on va dire que c'est pas non plus le Call of Duty que... je l'aime beaucoup, hein, Black Ops 2. Hein. Franchement, il n'y a pas de souci de ce côté-là. J'aime beaucoup Black Ops 2. Mais à choisir entre un Black Ops 2 et un Black Ops 1, le premier Black Ops qui est sorti, j'aurais quand même... voilà, je prendrais peut-être plus le premier Black Ops que celui-ci. Alors après, il y a beaucoup de nostalgie aussi, hein, c'est la nostalgie qui parle aussi, hein, mais voilà, c'est vrai qu'en ce moment, je suis vraiment de retour sur Black Ops 1 et tous les soirs, je fais des petites games au sniper, au L96, essayer de m'améliorer un petit peu et tout ça. C'est vrai que j'ai plus le réflexe de lancer Black Ops 1 plutôt que de lancer Black Ops 2. On va essayer de faire un petit gameplay au sniper. Il me semble que j'ai des classes sniper. Changer un petit peu. Tourelle auto, plutôt pas mal ça. Allez, c'est parti. En tout cas, au niveau de la game, franchement, je m'en sors plutôt pas mal. Donc, bah, je suis très content. Je suis super content quand, quand je fais un bon gameplay et puis qu'en plus de ça, ça vous plaise. Oh là là, le C4 que je vais me manger. J'ai failli me manger un C4. Bon, ça va. Alors du coup, je voulais voir un petit peu. Tiens, on va prendre le balista. On va essayer de faire quelques kills avec. Alors, ça fait très très longtemps que je n'ai pas... réutiliser le balista, même si c'est un sniper qui est assez facile, entre guillemets, de prise en main. Aïe. Dommage. J'ai pas regardé à côté. Allez, c'est parti pour le balista, maintenant. En tout cas, la tourelle fait plutôt son taf. Puis il faut que j'arrête un petit peu de parler aussi. Des fois, sur mes vidéos, je parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'ai pas envie de vous casser la tête non plus à vous raconter ma vie. Après, j'aime bien raconter ma vie aussi, mais j'ai pas envie de vous embrouiller non plus. Ok, hit. Parfait. Le petit kill à travers le mur. Alors, j'ai quoi là? J'ai un Hellstorm? Non, c'est quoi ça? Je sais même pas ce que c'est. Je sais même pas comment on balance ça. J'y joue tellement rarement à Black Ops 2. Bon, ça va, j'ai eu un kill avec le Hellstorm. Bon, ok. J'ai eu un petit kill, je suis mort entre temps. C'est pas grave. En tout cas, la partie va bientôt se terminer. Du coup, j'aurais fait qu'un kill. J'aurais pas. Enfin, qu'un kill au snipe. J'aurais dû prendre ma classe sniper un petit peu plus tôt. Mais bon, c'est pas grave. Ah, dommage, dommage. Bon, bah ça va, j'ai fait du 19-9. Franchement, une bonne petite partie. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. On va essayer de se lancer un petit objectif. 30 pouces bleus. Franchement, ce serait vraiment cool qu'on puisse y arriver. Et puis n'hésitez pas à bombarder dans les commentaires. Aussi, vous savez que je réponds à tout le monde. Donc... vraiment, n'hésitez pas, faites-vous plaisir dans l'espace commentaire. Sur ce, les amis, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, salut !